d'après toi, pour te gérer, parce que tu me plais. Je vais faire en sorte que tu aies envie de me revoir en une seconde. Discuter avec une très jolie demoiselle, hein, dans le but de la revoir une prochaine fois. J'attends que tu termines. Tu parles français? Oui. C'est le Seigneur qui écoute mes prières. Du coup, le numéro ne passe plus. En fait, la connexion ne passe pas. Exactement. Parce que je suis là. Tant que je ne serai pas parti, tu n'auras pas de connexion. Je t'appelle comment? Enchanté. Tu es nigériane? Non. Ok. Parce que j'ai vu que tu parlais bien anglais. Comment tu as vu que tu parlais bien? J'ai entendu. Ah, ok. Tu viens d'où? Je viens d'Irlande. Irlande? Ok. Et comment ça se fait que tu parles français? Je suis d'origine congolaise. Congolaise. Quel Congo? Brazzaville. Congo Brazza, le petit Congo. C'est bien ça. Nice. Et ça fait combien de temps que tu es à Paris? Je viens d'arriver. Bienvenue. Merci. Je suis normalement censé être ton comité d'accueil. Ah bon? Dans la ville de Paris. Oh wow. Sauf que tu n'as toujours pas demandé mon prénom. C'est quoi ton prénom? Est-ce que ça t'intéresse? Ça fait quelque temps que je te parle déjà. Là, je suis debout. I could have walked away. Donc, je suis totalement d'accord. C'est ça. Très bonne réponse. Ulrich. Ulrich? Yes. Enchanté. Tu as un prénom très original. Oui, en fait, c'est... Et pourquoi tu l'as changé en... En fait, en Irlande, les Anglais, ils coupent ça. Toi et moi, on va choisir un nom avec lequel je vais t'appeler, qui n'est pas... ni. Qu'est-ce que tu en penses? Histoire que je me sente un tout petit peu... différent. Ok. Quel nom? Vas-y, propose. Oh, mais non, je propose pas. C'est toi qui as eu l'idée. Nice. Mieux encore. J'aurai le temps de réfléchir et je t'enverrai ça par message. Sauf que, avant qu'on arrive à l'échange de messages, tu es venu faire quoi à Paris? J'habite à Paris. Ok. Tu as grandi en fait en Irlande? Et puis après, je te dis. Ok. Et tu es venu continuer ton cursus, pas scolaire, parce que tu travailles. Vu ton style, tu travailles. Dans quoi? Domaine informatique. Domaine informatique. Ça nous fait un point en commun. Plus jeune, j'ai fait de l'informatique. Mais aujourd'hui, je fais un métier qui n'a rien à voir avec l'informatique. Tu fais quoi? Tu aurais dit quoi? À me voir comme ça. Fashion. Fashion. Not bad. I like fashion. But I don't work. C'est où je me plante in fashion. J'allais dire que c'est où je me plante en anglais, tu vois. Mais après, j'accompagne mes clients à avoir un beau style vestimentaire. Ah, ok. Mais je suis coach en dev perso. C'est quoi, dev perso? Développement personnel. Oh. Avoir plus confiance en soi. Je vois. Discuter avec une très jolie demoiselle. Hein, ok. Dans le but de la revoir une prochaine fois. Salut. J'ai deux questions à te poser. La première, c'est que tu es passé là tout à l'heure. Tu m'as vu et tu n'es pas venu me parler. Pourquoi? Ne réponds pas maintenant. La seconde question, c'est tu as quel âge? 18 ans. Tu fais très jeune. Maintenant, tu réponds à la première. Vu que tu as 18 ans, tu es majeur et vacciné. Mm-hmm. Voilà. Pourquoi tu n'es pas venu me parler quand tu m'as vu? Je parle pas aux inconnus. Tu parles pas aux inconnus? Oui. Waouh. Donc, j'ai désobéi à ma mère là parce que je suis venu te parler. Mm-hmm. Ok. Ça va. Je t'excuse. Si et seulement si, tu me dis comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Comment tu es stressé? T'inquiète, relax. Je suis un gentil. Comme ça, je sais, je donne pas l'apparence. On pourrait croire que je suis un méchant. J'ai un piercing, j'ai de l'ox, mais je suis un gentil. Je te promets. Ok. Sénégalaise? Malienne? Ouf. Dis-moi. Ivoirienne, guadeloupéenne? Les problèmes. La Guadeloupe et la Côte d'Ivoire, dont déjà le caractère et la bouche. Sauf que plus je te parle, plus tu t'éloignes.
Distanciation sociale. Comment? Distanciation sociale. Covid. T'es pas vacciné? Si, si. Ok. Là, tu es allé où? Non, tu es allé où? Tu te balades? Déjà, tu es archi cool. Parce que je te parle, tu es sur ton téléphone. On va faire un truc. Ça se voit que tu n'es pas bien. Tu es archi stressé. Tu n'as vraiment pas l'habitude de discuter avec des inconnus. Prends mon numéro. Comme ça, la prochaine fois, on ne sera plus des inconnus et on pourra discuter tranquillement. Qu'est-ce que tu en penses? Pour faire quoi? D'après toi? D'après toi? Pour te gérer? Parce que tu me plais. Tu me donnes quel âge? 24. Pas mal. J'en ai 24. 18, 24, ça passe ou pas? Tu trouves que ça passe pas? Ok. C'est ton choix. Après, je dois t'avouer, j'ai déjà géré 14 ans. Je rigole. Mais c'est ton choix. Et je respecte. Sauf que, parce que je suis quelqu'un d'intelligent, ce qu'on va faire, tu vas quand même noter mon numéro. Et si tu changes d'avis, parce que tu vis à Paris, je vis à Paris, tu es une femme séduisante, je suis quelqu'un d'extrêmement séduisant, tu pourras probablement m'envoyer un message. Vas-y, 06. Ulrich. U-L-R-I-C-H. Yes. Je vais te laisser dans ton originalité pour m'envoyer un premier message. Je pourrais voir à quel point les Guadeloupéennes ivoiriennes sont originales. Bonne balade. Tu es une catastrophe. Pourquoi? Comment tu traverses la route? Je suis grave malade. Ah d'accord. Ah t'es pas bien. Ok. Je suis vraiment désolé. Non, désolé parce que tu n'es pas bien. Sauf que je sais, avec l'énergie que je dégage, j'amène toujours les gens à bien se sentir. Rien que le simple fait d'écouter ma voix, regarde, tu te sens déjà beaucoup mieux. Ah bon? Tu n'as pas ressenti? Je suis vraiment malade en fait. T'as quoi? En fait, je prends des médicaments très très lourds et ça me met un chaos. Ok. Et pourquoi tu te balades si tu n'es pas bien? Non, je sors du travail, je rentre chez moi. Ok. Là, j'ai fini ma journée et je rentre chez moi. Nice. Et puis là, ça va, je suis pas un lourd. J'allais te dire, il y a un lourd qui vient te parler. Je suis pas lourd. Surtout que je compatis. Tu t'appelles? Ok. C'est ça. Parce que tu n'es pas bien. Grand Max. Je vais te dire comment je m'appelle. Et je vais faire en sorte que tu aies envie de me revoir en une seconde. C'est le but. Ah ouais. Tu habites où? Argenteuil. Argenteuil. Ah ouais, c'est un peu loin. C'est quoi? C'est la H? Qu'est-ce que c'est? La J. Ok, mais il est là à peu près tous les 10 minutes, 15 minutes? Oui, c'est comme ça. Ok, ça va. Et tu es déjà Ousmane Salaza. Ouais. Donc, limite, tu es déjà arrivé. Mais Argenteuil, tu ne marches pas beaucoup avant d'arriver chez toi. On ne va pas se faire écraser. Mais je dis, tu ne marches pas beaucoup avant d'arriver chez toi quand tu sors du train. Ok, il faut vraiment que tu rentres. Est-ce que tu m'as demandé comment je m'appelais? Non, je suis désolé, je ne fume pas. Ok. Ulrich. Enchanté. C'est quoi tes origines? Guadeloupéenne-Cap-Verdienne. Ok. Ouais, déjà que c'est deux peuples assez métissés, ça explique pourquoi tu es archi métissé. Ouais. J'aurais dit Guadeloupéenne quand même. Regarde. Prends mon numéro. J'ai peur de te donner mon Snapchat. Snapchat, je suis pas sur Snapchat. Parce que sur mon message, si jamais tu je calcule pas. Je calcule pas. Non. Tu pourras faire un tout petit peu d'effort ou pas? Je suis pas sur Snapchat. Ou j'ai Snapchat, mais j'y vais, je te jure, j'y vais jamais. Ok. Bah, voilà. Je te donne mon numéro si tu veux. Ok, vas-y. Là, mon téléphone il est déchargé, donc prends mon numéro, tu m'envoies un message. Tiens. Je ne vais même pas te donner le truc correctement. Ok, ça arrive, il y a des jours comme ça. Tu es dans la vente? Ouais, dans la vente. J'ai travaillé chez Mango, donc je peux 06 50 60. Donc je peux savoir à quel point ça peut être éprouvant. Et tu as bossé hier aussi? Ouais. Ok. Ça va, ton manager n'est pas trop relou? Non.
Non, ça va. Je vais juste là, venir ici, message, Ulrich, je lui envoie un message. Moi, j'aime la Bretagne. Est-ce que tu as déjà Ulrich dans ton téléphone? Non. Ok. Aussi simple que ça. Avec un Z. Ah, c'est pas une blague, j'ai songé. Okay. Nice, rentre bien. Merci, c'est gentil. Mieux encore, tu arrives, tu m'envoies un message, tu me dis que tu es bien arrivé. Ok, il n'y a pas de souci. Rentre vas-y, bien. Salut. Ouais. Excusez-moi, j'ai deux questions. La première, je vous ai vu tout à l'heure, je me suis dit, vous ne parliez pas français. Sauf que tu as répondu parce que tu parles français. La seconde, c'est un suçon ou c'est une seringue? Comment? C'est un suçon ou c'est une seringue? Authentique. C'est bien marqué. Je l'ai vu de très loin. Okay. Il sait le faire. J'ai vu la bague aussi. Donc je pense que c'est le mari. Ok. Tu pourras le féliciter. Ok. Pas de problème. Et les Congolaises, toi je connais pas ton origine. Moi je suis Congolaise. Camerounaise. Moi je suis Camerounaise. Ça va, Pakistanaise. Excuse-moi. Ah. Ok, regarde. Là j'ai pas mon téléphone avec moi. Parce que je suis sorti me balader. Tu me trouves sur Instagram, c'est bien. Non. On va s'échanger de numéro de téléphone. Pourquoi? J'ai pas de numéro français. Mais t'as WhatsApp. J'ai WhatsApp sur un numéro irlandais. Pas grave. On pourra s'écrire, on pourra s'appeler. Non. Mais... Si tu n'es pas dérangé par la démarche. Pourquoi je dis pas les réseaux sociaux? Déjà parce que. J'ai pas de raison. Je commence toujours par les réseaux sociaux. Parce que tu commences toujours par les réseaux sociaux. Dès que tu as mon numéro, c'est... Ça veut dire que c'est solide. Non, c'est même pas que c'est solide, mais c'est mon numéro perso. C'est personnel. C'est très, ouais. Ok, je comprends. Ouais. C'est une très bonne raison. C'est un très bon argument. Écoute le mien maintenant. Mon argument, c'est quoi? Je vais même te donner deux. D'accord. Le premier. T'es d'où d'origine du... Tu dirais quoi? Camerounais. Pas mal. Hein. Je te fais un check. Tu mérites. Ah bon? Ouais. Souvent on me dit, ça va, c'est parce que tu es congolaise. Sinon tu aurais... Parce qu'on me dit souvent congolais, la plupart du temps. Congolais ou entier. Mais je suis camerounais. Ouais. J'ai entendu l'accent. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça dit que tu es perpicace. Soit tu es à sortir avec des Camerounais. Non, j'ai beaucoup d'amis Camerounais. Ok, c'est ce que j'allais dire. Tu es passé à côté de quelque chose. C'est bon, je vais te donner une chance de pouvoir découvrir c'est quoi sortir avec un Camerounais. Ah, sauf si, selon moi aussi, tu me dis que tu t'installes réellement à Paris. Mais non, je suis là pour une année, je vais voir si j'aime bien Paris, je reste, je veux pas, je rentre chez moi. Ok. Ok. Heureusement, ton comité d'accueil est là. Vas-y, prends mon numéro. Le premier argument, c'est tu as mon numéro, tu verras si tu me recontactes ou pas. Ma cousine qui est là, qui m'a fait. Ok. Ah, tu allais la rendre visite? Ouais. Ok. Contact. Tu es directement sur WhatsApp ou pas? 06. Je rajoute le plus 33 Oui. 0033 plus. Si tu allais sur WhatsApp, ça devait être mieux. C'est plus facile. Je vais te montrer. Va sur WhatsApp. Pour acheter ton numéro, ouais. C'est ça? Ok. On vient normalement. Là. Je vais décliner. Tu vas la rappeler, d'accord? New contact. Ulrich. C'est pas pareil. Ok, c'est super. Nice. Ok. Ok. Ulrich, enchanté. Enchanté. Et je te l'ai pas dit, j'aimerais apprendre le lingala. Ah, mais j'ai pas parlé lingala là. Mutuba. Mutuba, c'est bien. Ok. Excuse-moi. Une seconde. D'écoute. Je continue à avancer. D'écoute alors. Je préfère. Tu t'appelles? C'est pour quoi? Tu as un beau style. Comment?
Tu as un beau style. Ah, merci, c'est gentil. Mais t'es pas parisienne. À Paris, on s'habille pas comme ça. Ah bon, comment? Si tu continues à penser, j'aurais du mal à te parler. C'est pour ça que tout le monde est en train d'aller. Tout le monde à Paris est pressé. Bon, ok, je te laisse. Combien de minutes? 5. Qu'est-ce qui te fait croire que 5 minutes est suffisant pour moi? Parce que c'est 5 minutes que j'ai à t'accorder. Mais déjà, commence par me répondre, je t'appelle. Oui. Enchanté. Enchanté. Pourquoi? Et toi, tu viens d'où? Parce que je t'ai jamais vu. Bah, tu connais pas tout le monde à Paris? Possible. Mais tu serais pas passé inaperçu. Ah bon? Ouais. Ah. Je suis convaincu. Peut-être. Ok. Moi, je suis de Paris aussi, dans le 12e. D'accord. Ouais. Enchanté. Enchanté. Ulrich. Enchanté. Ouais. Surtout que tu ne m'as pas demandé. C'est vrai. J'en venais, mais je te laissais parler. Ok. J'ai pris le devant. Je vois ça. Je préfère prendre le devant. Ah bon? Ouais. Pourquoi? C'est pas tout le temps bien. Hein? Pourquoi pas? Bah, ça montre quelqu'un qui est trop sûr de lui. Qui est trop sûr de lui. Ouais. Il ne faut pas être La trop sûr. La question, c'est est-ce que c'est mauvais? Avoir confiance. Non, mais l'excès dans toute chose n'est pas bon. Même quand c'est bon, quand il y a de l'excès, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a un message subliminal dans ce que tu es en train de me dire? T'es très malin, donc je pense que tu l'as compris. Je vais faire semblant de ne pas l'avoir compris.